Bonjour à tous. Pour rejoindre et s'abonner mensuellement sans contrainte de temps à mes documentaires exclusifs, ainsi qu'au direct, allez sur ma page de chaîne ou sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et cliquez sur Rejoindre. Ensuite, vous verrez apparaître cette fenêtre qu'il faut remplir. Le journalisme, la passion de l'image, et puis cette passion de rencontre des autres, m'a guidé tout au long de ma vie et m'a amené, évidemment, à risquer ma peau à tout instant. Ce soir, je vais vous raconter comment, tout jeune journaliste, je suis parti au Vietnam et j'ai été blessé très grièvement. Très grièvement, lors d'un engagement presque au corps à corps, avec les Viet Cong qui étaient en face. Nous sommes en 1972 au Sud-Vietnam, en pleine offensive de Quang Tri. Quang Tri est une petite ville tout près du 16e parallèle, la frontière entre le Nord et le Sud-Vietnam. Elle est encerclée par les divisions nord-vietnamiennes. Une route est encore ouverte, défendue par les parachutistes sud-vietnamiens. C'est la route numéro 1. Sur la route numéro 1, des scènes d'horreur. Aucun habitant du Sud-Vietnam ne veut devenir communiste. Mais les communistes nord-vietnamiens ont miné la route. Des enfants déchiquetés, des femmes défigurées. Ils ont tous sauté sur les mines des Viet Cong. Après ces visions d'horreur, je pars avec les Vietnamiens, avec les parachutistes vietnamiens. L'artillerie communiste vietnamienne bombarde nos positions. Nous sommes dans des tranchées et l'artillerie bombarde, bombarde, bombarde. Moi, j'avais vraiment jamais connu ce genre de choses. J'avais cru connaître la guerre au Tchad. Ça n'a rien, mais rien à voir. Là, c'est vraiment la guerre. Et puis la peur qui te prend aux tripes, car on ne peut rien faire contre les obus. Il n'y a plus qu'à se terrer et à prier. Enfin, au bout d'une semaine, je peux rentrer à Saigon et envoyer mes films en France. Je veux également faire un reportage sur les pilotes sud-vietnamiens. Et donc je pars avec des pilotes qui se battent au-dessus de Quang Tri et qui bombardent les positions nord-vietnamiennes. Ils larguent leurs bombes en piqué et après, ressources, trois ou quatre fois la pesanteur. Et ils me disent tous la chose suivante, nous ne voulons pas être communistes, plutôt mourir que d'être communistes.
Alors après ce reportage, je repars à Coventry. Je repars à Coventry, les choses sont de plus en plus difficiles. Un jour, je pars avec une section. On part vers les positions nord-vietnamiennes, vers les positions communistes. Et puis d'un seul coup, les balles sifflent. Les balles sifflent vraiment. À ma droite, des hommes tombent. Je me planque. Puis on se relève. L'infirmier qui était à côté de moi tombe, mort. Moi, je ne sais pas vraiment quoi faire. Et d'un seul coup, un choc énorme. Pas une douleur, un choc. Et je tombe. Là, je perds conscience. Je me réveille quelques secondes plus tard. Des explosions épouvantables. Je le saurai plus tard, ce sont les Sud-Vietnamiens qui strafent avec des hélicoptères de la position qui doit être à 30-40 mètres plus loin, la position des communistes. Ils pensaient que j'étais mort. Je retombe dans les pommes et je me retrouve dans un poste, je vois une croix rouge et je vois des blessés autour de moi, ce sont des blessés sud-vietnamiens. Là, je retombe dans les pommes, puis je me vois monter dans un hélicoptère, ou plutôt, être monté dans un hélicoptère. Et puis il y a cette vision que je garderai toujours, toute ma vie. C'est une plage blanche extraordinaire. En fait, l'hélicoptère devait survoler les plages de Da Nang. Et donc je vois cette plage blanche, c'est le paradis pour moi. Et je me retrouve à l'hôpital américain de Da Nang. J'ai pris 2 balles dans le ventre, 2 balles d'AK-47. Et quand je me réveille, je vois un visage absolument extraordinaire devant moi. Une jeune femme. Elle a les yeux bleus, elle a un visage. C'est une... Oui. Une déesse. Et pendant les longues semaines qui vont suivre, je n'ai Dieu que pour elle. Eh bien, un jour, on me dit, écoutez, Philippe, on va pouvoir vous redresser votre lit. Très bien. Et donc, vous savez, ce sont des lits électriques, et je n'ai que Dieu pour cette femme, qui me regarde souriante, et je l'aperçois en entier. Ah, elle est comme beaucoup d'Américaines, très forte, très très forte. Et là, j'éclate en sanglots. Et le chirurgien américain dit, stress post-traumatique, appelez-moi un psychiatre. Je dis, non, je veux partir. Je veux m'en aller, soyez gentil, je veux m'en aller, je veux partir, je veux aller à l'hôpital français de Saigon. Et voilà mon histoire sur le Vietnam. Blessé par 2 balles dans le ventre, et surtout, par une infirmière, aussi beau visage. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.